Ouais, je veux bien.
La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, en Jésus, le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous toutes et tous ici dans ce lieu ce matin. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent par le biais d'Internet. Nous sommes ensemble dans la communion fraternelle ce matin, à l'écoute d'une parole qui nous vient de loin, à l'écoute d'une parole capable de nous élever, capable de nous rendre peut-être meilleurs dans ce monde. Que toutes et tous vous soyez bienvenus ici, et si c'est la première fois que vous êtes dans ce lieu, vous pourrez y revenir quand vous voudrez. Cette maison est une maison ouverte. Je vous invite à louer le Seigneur et nous allons rentrer dans ce temps de culte avec le premier répon que vous trouvez au début des psautiers français. Bénissons Dieu, le seul Seigneur. Partageons le psaume de reconnaissance. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel. Terre entière, servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bienveillance dure à toujours, sa fidélité dure de génération en génération. Je vous invite à chanter ensemble notre louange avec le psaume 81, les strophes 1, 2 et 3 dans les psautiers. Je vous invite à vous asseoir. Écoutons la volonté de Dieu pour nous à travers les mots de l'évangile de Thomas qui dit à ses disciples, Jésus dit à ses disciples dans cet évangile une toute petite phrase que je vous laisserai méditer. Soyez passants.
nous nous présentons devant Dieu avec ce logion, ces paroles de Jésus dans le même évangile de Thomas. Ses disciples l'interrogeaient ainsi: faut-il jeûner? Comment prier? Comment faire l'aumône? Que faut-il observer en matière de nourriture? Jésus disait: arrêtez le mensonge. Ce que vous n'aimez pas, ne le faites pas. Vous êtes nus devant le ciel. Ce que vous cachez, ce qui est voilé, tout sera découvert. Éternel, par cet évangile qui nous annonce notre nudité devant Dieu, garde-nous de l'hypocrisie qui se cache sous la piété. Apprends-nous à vivre l'extérieur comme nous vivons notre conversion intérieure. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la grâce renouvelée sur notre vie. Voici ce que dit Jésus: l'Esprit m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Et Jésus ajoute: aujourd'hui, cette parole, quand vous l'entendez, elle est accomplie. Qu'ainsi toutes celles et ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que toutes celles et ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vient ouvrir leurs yeux. Que toutes celles et ceux qui se sentent captifs sentent leurs chaînes tomber par la force de la parole de Dieu. Car aujourd'hui, cette parole est accomplie pour toutes celles et ceux qui l'entendent. Confessons ensemble notre foi. Aujourd'hui, nous croyons en toi, source de vie, qui enfante le monde et te manifeste de diverses manières au cœur de nos expériences de femmes, d'hommes et d'enfants. Aujourd'hui, nous croyons en toi, parole de vie, qui te dit dans nos quêtes de sens, nos recherches spirituelles, nos remises en question et dans les non-savoirs qui habitent les femmes, les hommes et les enfants. Aujourd'hui,